Tom Barouette, le bûcheron. Oh, ça y est, ça y est. Oui, mais Woodrow, le gardien. C'est le caribou. Arthur. Laissez-moi m'en occuper. Sortez avec vos cochonneries de main en l'air. On est là pour la hache et on n'hésitera pas à employer la manière forte. Pourriez-vous être plus précis? Votre maison ressemble beaucoup à une citrouille, si vous voyez ce que je veux dire. Que tout le monde reste calme, et surtout faites comme moi. Je passe en mode infiltré. Bonjour, nous sommes du service d'hygiène de Palette Prime. Nous venons mettre du produit contre les hippopotames. Nous ne sommes pas des exterminateurs, mais des enquêteurs attachés au BEP, le bureau des enquêtes. Oh.
au chanteur a quitté son nid. Coup de chance, il a laissé un petit mot pour... Un petit mot? Et dû sortir faire des courses et interrompre ma surveillance de quartier. Et rencontrer mon voisin, La Fourchette. La Fourchette affirme avoir vu quelqu'un s'enfuir dans le village avec une hache pendant mon absence. Pile au moment... De toute évidence, le voisin de l'oiseau chanteur, La Fourchette, peut nous dire avec exactitude qui a... Et d'après ce que je lis, le boulanger du village a demandé un crédit pour s'offrir une... On dirait que notre ami La Fourchette est sorti déjeuner. Par chance. T'es sérieux, toi? J'en ai assez que mes voisins fassent leur équilibre, leur forme, leur pointe très pointe. La légende de la pierre à aiguiser magique est peut-être vraie. Je pars pour en être sûr. Je ne reviendrai pas avant. La fée affûteuse surgira de la rivière et me donnera ce que je désire, la vengeance contre ces détenteurs de vilaines fourches. Bonté divine, espérons que son futur avocat ne le fasse pas comparaître... Je me présente Bipo, chef du groupe d'enquête. Nom de code, c'est quoi ? Écoutez, nous avons besoin de vos renseignements. Oubliez votre fixation. J'aime votre façon très originale d'aborder cette... On va faire semblant de ne pas avoir entendu. Bon, allez, zou, retour d'ascenseur. Mais suivi qui?
Donnez-nous la hache. Et pas d'histoire d'avocat cette fois. Nous... Notre témoin est pourtant disposé à prêter serment au tribunal. Qu'avez-vous à dire à propos... de la façon dont Adriade a fait de vous un bouc émissaire? On dirait que l'irrespect total de notre suspect pour l'ordre public a fini par lui mordre les fesses. Mais voleur ou pas, enfin, peut-être. Légalement, rien ne nous y oblige. Ce n'est pas comme si... Ah, j'espère qu'on aura une médaille pour ça. Ou au moins une apparition. En plein milieu de la flaque de confusion. On s'occupera de vous plus tard.
Avez-vous au moins essayé d'en parler avec la dryade? Il existe sûrement un compromis. Ça suffit! Ne faites rien d'imprudent. Dès que nous aurons mené ce voleur à la prison et témoigné devant le juge, nous vous retrouverons. Quoi? Oh, et après tout, on s'en fiche. Allons trouver des donuts à la citrouille et demander à Ginny de s'occuper de la paperasse. Ah. Au moyen de se capoter. Où se tire-t-elle? Triade songe, pas un lac. Hein, vous t'sais. En effet, ça va être compliqué. Tant pis, on a... En réalité, ce poème semble contenir des informations importantes pour débuter nos recherches à l'aide de ton nouveau... Je sais, Ginny. J'essayais simplement de ne pas me retrouver coincé avec les propres... Je vais vous montrer. Thank you.
c'est de la chance. Rien n'est invisible pour moi. Allez. Yeah.
jamais. Nous sommes surtout heureux de voir que tout finit bien. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous... De cœur. Nos jolis yeux. Nos souffles. Trop bien! Bravo! Bipo, il s'est produit quelque chose pendant le poème de Goudreau. J'ai interrompu mon analyse et j'ai... Vraiment? Wow. Bipo, est-ce que tu pleures? Non! Les forêts sont remplies de poussière et de pollen! Ha ha ha.